Shalom, shalom, bien-aimés en Christ, soyez tous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je me nomme le frère Jérémie de la France. J'ai un message de la part de Dieu pour le pasteur Marcelo Tounassi, pour les mamans pasteurs et les mamans pasteurs et pour le peuple de Dieu. Sans plus tarder, je vais prier avant de commencer. Père céleste, dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Merci Père éternel, béni soit ton nom. Tu es l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. Nul n'est comparable et semblable à toi, en dehors de toi, aucun Dieu. Merci Père éternel, Seigneur. Tu es saint, saint est ton nom, Seigneur. Je viens de ta part, Seigneur. Ô Père, Seigneur, c'est toi qui m'as envoyé, Seigneur. Je ne viens pas de ma propre, Seigneur, pour parler de selon mes sentiments. Mais je viens pour parler de ta part, annoncer, Seigneur, au pasteur Marcelo, à ton peuple, au maman pasteur, ce que tu m'as transmis, le message, Seigneur. Je recommence ces moments, agis, manifeste-toi. Inspire-moi, Seigneur. Ouvre ma bouche pour que je libère les paroles qui viennent de toi, Seigneur. Et touche le cœur du pasteur Marcelo et des mamans pasteurs pour qu'ils changent, que ce message les atteigne, Père. Béni soit ton Seigneur, Papa. À toi seul soit toute la gloire, la puissance au siècle et des siècles. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Bon, mes bien-aimés, j'étais en train de défiler sur ma page Facebook. Puis je suis tombé sur le message du pasteur Marcelo qui parlait du ministère de la femme. Quand j'ai écouté, la nuit quand je me suis endormi, Dieu m'a donné un verset biblique pour lui. Et un message pour lui. Pour les mamans pasteurs et le peuple de Dieu. Je vais commencer d'abord pour le pasteur Marcelo d'abord. Sans plus tard, je vais vous laisser écouter le message que j'ai écouté sur sa page. Quand j'étais en train de défiler sur ma page Facebook, je vais faire écouter d'abord et puis il va en venir. In Tasmania. They say no, it's man. Et les malades commencent à crier. And they seek a que ce soit un homme, whether a man, que ce soit une femme, or a woman, venez nous soigner. Come and see us. Et les hommes refusent. And men refuse. Et les malades meurent, meurent. And the sick people are dying. Sont-ils des meurtriers? Are they murderers? Je peux vous parler? Can I talk to nous you, nous sommes women? Débordés. We are nous sommes débordés. We are nous sommes débordés. We are overwhelmed. Nous sommes débordés. We are overwhelmed. Les hommes sont débordés. Men are overwhelmed. Nous sommes débordés. We are overwhelmed. La preuve. The est-ce qu'on a gagné les extrémités de la terre? Are we win the uttermost parts of the earth? Vous opposez au ministère de la femme. You oppose the ministry of women. Tu es déjà allé au Tibet? Have you gone to Tibet? En Mongolie? In Mongolia. Tasmanie? In Tasmania. Kyrgyzstan ou quoi là? In Kyrgyzstan. Tu es déjà parti là-bas? Have you gone there? Que la femme ne prêche pas. Women que la femme ne prêche pas. Women toi, tu refuses d'aller au Tibet? Qu'aucune femme n'aille au Tibet. You refuse to go to Tibet. No women should go there. Maman prêche. Mother, mama femme preach. Prêche. Preach. Femme prêche. Preach. Femme prêche. Women femme preach. Prêche. Moi, je crois au ministère de la femme. I believe in the ministry of women. Et vous qui ne croyez pas? And you who don't believe. On va discuter ça au ciel. We will talk about it in heaven. La femme peut être apôtre. Moi, je crois qu'une femme peut être apôtre. I believe a woman une can femme be peut être prophétesse. A woman une femme peut être docteur. Une femme peut être pasteur. Une femme peut être évangéliste. Pastor, she can be an evangelist. Pas seulement prendre soin des mamans. Not only taking care of the women. Moi, je crois au ministère de la femme. I believe in the ministry of women. I believe in the ministries of women. Je crois au ministère de la femme. Yes. Si tu tombes dans un trou, if you fall in a pit, et que quelqu'un vient te sauver, and somebody comes to rescue tu you, tu as besoin que la main soit féminine ou masculine. Do you need to see a woman quand and tu a as perdu dans tes péchés, when you are lost et tu as besoin d'être sauvé, and you need tu to as rescue. Besoin que la prédication soit donnée par. J'ai abandonné, and I abandoned. Une. Je suis venu pour toi. I've not come for you. Je suis venu pour cette fille. I've come for this. I told you que si je ne la vois that pas, if I don't see her, je bon, je vais défiler un peu là pour pouvoir avancer. Le grand requin blanc. 2 tonnes de muscles et 300 dents redoutables aiguisées comme des lames de couteau. Excusez-moi pour le mot. Excusez-moi un peu. Je reviens un peu. Excusez-moi. Il y a un petit problème, donc excusez-moi. En sauveur, nu. Mais elle continue à le respecter à l'honneur.
Excusez-moi, il y a un problème de connexion. Mais le message doit passer dans le nom puissant de Jésus. Le diable a été un menteur. Il a échoué. In our hospital. Voilà. Il a fait un travail plus que nous tous. He died already, but he did a work more than all of us. Abandonné, Marie de Magdalene était là. Peter abandoned, but Mary Magdalene was still there. Qui a vu en premier le ressuscité? Who saw the resurrection? C'était une femme. It was a woman. Pendant que les hommes tremblaient. Une femme. A woman and a woman. Écoutez bien ce qu'il dit, bon moi. Quand Jésus ne faisait plus de miracles, when Jesus was not doing miracles, les soupçons partis, men went away. Mais Marie de Magdala, but Mary Magdalene, appelait Jésus Seigneur même dans sa mort. She called Jesus my Lord even when he was dead. Où avez-vous mis le corps de mon Seigneur? Why did you put the body of my Lord? Mais and here everyone elle est déjà partie, mais elle a fait un travail. Des femmes qui craignent Dieu plus que les hommes. Some women fear God more plus efficaces que les hommes. They are more effective than men. Tu sers Dieu plus que Joyce Meyer? Are you serving God more than Joyce Meyer? Toi tu sers Dieu plus que Joyce Meyer? Are you serving God more than Joyce Meyer? Plus que Catherine Kuhlman? More than Catherine Kuhlman? Plus que Anne Semple? Je dis n'importe quoi. Joyce Meyer, elles sont là, elles prêchent les bêtises, les choses. On a dans notre pays une femme qui a fait un travail plus que nous tous. In our country we have a lady who did a work more than here. Everyone. Elle est déjà partie, mais elle a fait un travail plus que nous tous. She died already, but she did a work more than all of us. L'esprit n'est ni homme ni femme. The spirit is neither man or woman. La Bible dit dans les derniers jours dit Dieu. The Bible says in the last day. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. My spirit upon every flesh. Vos fils et vos filles. Your vos fils et vos filles. Daughters. Vos fils et vos filles. Your son vos and daughters. Vos fils et vos filles. Your son vos and daughters. Vos filles. Vos filles. Vos your, filles. Your son and daughters. Oh, daughters. Sakataraba shatalabra. Vos filles. Daughters. Vos filles. Daughters. Quand une femme aime Dieu, elle aime Dieu plus qu'un homme. When a woman loves God, she loves God more than Pierre men. A abandonné Marie de Magdalene était là. Voilà, bien aimé, sans plus tarder, je vais vous lire le verset que Dieu m'a donné. Le pasteur Maslow dit, lui, il croit au ministère de la femme. Que la femme peut être apôtre, la femme peut être évangéliste, la femme peut être pasteur, la femme peut être prophétesse, la femme peut être apôtre, que la femme peut être évangéliste. Des fois, je ne sais pas, des fois, il dit des choses qui sont vraies, des fois, il dit de n'importe quoi. Quand moi j'ai écouté le message, moi, bon, j'ai rien pensé à ça. C'est quand je me suis endormi que Dieu m'a donné un message. Et puis le verset, Dieu m'a dit de lui poser ce verset, de lui parler pour qu'il réponde, qu'il me dise ce que signifie ce verset. Sans plus tarder, je vais lire le message. C'est 1 Timothée 2, verset 12. 1 Timothée 2, verset 12 que Dieu m'avait donné quand je dormais, quand j'ai écouté le message. Parce que 1 Timothée 2, verset 12 dit, je ne lui permets pas d'enseigner et de dominer sur l'homme, mais je lui demande de garder une attitude paisible. Ce n'est pas moi qui dis. C'est l'apôtre Paul qui parlait. C'est l'apôtre de Dieu qui dit. C'est le verset que Dieu m'a donné pour toi, pasteur Marcelo. Donc, tu peux me répondre, tu peux nous expliquer ce que signifie ce verset. Dans 1 Timothée 2, verset 12, la Bible dit, je ne lui permets pas d'enseigner et de dominer sur l'homme, mais je lui demande de garder une attitude paisible. La Bible dit qu'elle ne permet pas à la femme d'enseigner ni de dominer sur l'homme, mais de garder une attitude paisible. Mais quand Dieu me donnait tout, il me montrait les choses, il me disait que c'était le Saint-Esprit qui était dans l'apôtre Paul qui parlait. Ce n'était pas l'apôtre Paul lui-même qui parlait. C'est ce que Dieu me disait. Dans le rêve. Parce que Marceau dit, toi, tu crois au ministère de la femme. Tu encourages les femmes à être apôtres, à être pasteurs. Mais Dieu m'a dit que la femme peut évangéliser pour gagner les âmes pour lui. Mais ce que Dieu me disait, tout ce que Dieu m'a dit, je vais dévoiler ça ici. Il dit, la femme peut être prophétesse, mais elle peut prophétiser sur les gens. La femme peut, mais Dieu m'a dit, la femme ne peut pas être pasteur. Ce que Dieu m'a dit, que la femme ne peut pas être pasteur, ni apôtre, ni docteur. Ce que Dieu me dit de te dire, et à son peuple aussi, aux autres pasteurs qui encouragent la femme à avoir un ministère, ou bien à prêcher, à dominer sur les hommes. Dieu dit, lui, il ne permet pas.
Tout ce que Dieu me dit, je dois dévoiler. Que lui, il ne permet pas à la femme d'enseigner les hommes, d'être pasteur. Non. Que lui ne permet pas à la femme de dominer sur l'homme. C'est ce que Dieu m'a dit. Donc, pasteur Marcelo, Dieu m'a montré que quand je vais faire la vidéo, que ça va t'arriver. Tu vas écouter, mais tu vas faire comme tu n'as rien entendu. Dieu m'a montré que quand je vais faire, il y a beaucoup de tes fans, ceux qui sont fanatiques de toi, qu'ils vont m'insulter. Ça va rien me dire. Moi, je fais ce que Dieu me dit. Tant que c'est Dieu qui m'a envoyé, je crains rien. Dieu est avec moi, il marche avec moi. Puis Dieu m'a montré que tu vas m'attaquer aussi. Et puis bon, il m'a dit aussi de dire, prophète Joël Tatou, reprends-toi aussi. Arrêtez de dire les bêtises aux enfants de Dieu. Dieu est en colère. Quand Dieu voit ce que vous prêchez, il pleure, puis il est en colère. Repentez-vous. Masque les tournassiles. Tu es comme un père pour moi. Moi, je ne suis pas venu pour te dénoncer. Je suis venu pour te transmettre le message que Dieu m'a transmis de te transmettre. Dieu dit, lui, il ne permet pas à la femme d'enseigner, d'avoir le ministère. Toi, tu dis que vous allez discuter jusqu'à ça au paradis. Quel paradis? Tu parles de quel paradis? Tu parles de quel paradis? Un, tu t'es éloigné de Dieu. Dieu m'avait montré en 2020 que tu t'es éloigné de lui, tu as touché les choses, que tu avais l'esprit de l'antichrist en toi. Je n'avais pas parlé. Cette fois-ci, Dieu m'a dit de venir parler pour que ce message t'arrive, pour que son peuple sache que tu es un fou, que tu t'es détourné de Dieu. Tu as touché aux choses. Tant que tu vas te retrouver le prophète Joël Tatou, tant que vous allez vous répentir, lui va vous utiliser puissamment. Dieu vous a déjà rejeté, mais il vous aime. Beaucoup de personnes sont venues pour vous transmettre le message de la part de Dieu. Pasteur Marcelo, reviens à ton premier amour. Repends-toi. N'encourage pas le mal, ce que Dieu interdit. Dieu interdit les choses. Toi, tu encourages les gens à faire ça. Non. Tu es en train de rebeller contre Dieu. Non. S'il te plaît, papa Marcelo, Isaac Danger, Isaac, Malembe, papa. Père Marcelo, vous aimez comme vous appelle papa, père. Tu es comme un père pour moi. Donc, Dieu t'aime. Tu dois te repentir. Reviens à ton premier amour. Tu as touché aux choses. Toi, avec le prophète Joël Tatou. Dieu me dit de vous repentir. Vous avez touché à la Kaaba juive, au fétichisme, à la franc-maçon. Vous avez mélangé les choses. Vous avez un réseau. Si vous ne vous repentez pas, Dieu va frapper certains parmi vous. Voilà. Repentez-vous. Arrêtez de garder le peuple de Dieu, les brebis de Jésus. Vous avez vu comment les églises se sont fermées? C'est Dieu qui a permis, pas le diable. Dieu a permis ça pour regrouper ses brebis et ses bergers. Pour retirer les brebis qui sont dans vos églises, qui vous servent de pain. Vous voyez? Jésus est en colère. À cause des dîmes, tu es détourné de Dieu. Tu as touché aux choses. Pour avoir l'argent, pour être célèbre, le diable va te rendre célèbre. Mais le moment venu, Dieu va te frapper. Le diable ne pourra rien faire. Père, papa Marcelo Tounassi, reviens à ton amour, ton premier amour. Tu as rejeté ton premier amour. Maintenant, c'est mormon, l'argent qui est devenu ton premier amour. Non, l'argent passera. Tout ce que tu as passera. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Cette parole de Dieu est Jésus. Jésus ne passera pas. Jésus est éternel. Reviens à ton premier amour, pasteur Marcelo. Jésus t'aime, même s'il t'a déjà rejeté. Il veut que tu reviennes. Si tu reviens à lui, il va t'utiliser puissamment. Toi, avec le prophète Joël Tatou, Dieu m'a montré que vous allez m'attaquer. Mais lui serait toujours là avec moi. Donc, je ne crains rien. Car celui qui est à moi est plus fort, plus puissant. Et puis, Dieu me dit aussi que les mamans pasteurs que nous voyons, que ce n'est pas lui qui les a établis. Ce que Dieu me dit, tout ce qu'il m'a dit, il doit transmettre ça. Que les mamans pasteurs, ce n'est pas lui qui les a mis en place. Ce n'est pas lui qui les a établis. Que ce sont les pasteurs, les prophètes qui ont établi leur femme maman pasteur. Parce que pourquoi Marcelo, il encourage le ministère de la femme? Parce que sa femme est maman pasteur. Même ses acolytes, leurs femmes sont les mamans pasteurs. Marcel Tounassi, pardon. Ne te rebelle pas contre Dieu. Reviens à Dieu.
Vous les mamans pasteurs, repentez-vous. Dieu me dit, ce n'est pas lui qui vous a établi. Ce sont vos maris, ce sont les hommes qui vous ont établi. Maman pasteur, ce n'est pas lui. Parce que Dieu me dit que ce n'est pas lui. Il me montre, si vous continuez à être rebelles, vous les mamans pasteurs, il va frapper certains vous sur la tête. Ce que Dieu m'a montré. On ne s'amuse pas avec Dieu. Dieu est en colère. Jésus-Christ est en colère. Marcel Tounassi. En 2020, tu avais dit que La sodomie n'est pas un péché. Que si ton partenaire accepte que ça ne le fait pas mal, tu peux sodomiser. Ah, puis tu disais que la Bible n'a pas précisé ça. Mais la Bible a parlé de ça. Dans Hébreux 13, verset 4. Attends, je vais lire ça. Hébreux 13, verset 4, d'abord. Hébreux 13, verset 4. Dit quoi? Que le mariage soit honoré de tout et le lieu conjugal épargné par la suie. Ceux qui se livrent à l'immoralité sexuelle et à l'adultère, Dieu les jugera. Tu avais dit ça. Le frère Georges Nama, tu avais parlé, mais tu n'avais pas écouté. La sodomie est un péché. Dieu dit, il jugera pour ça. Toi, tu dis que la sodomie n'est pas un péché. Tu avais dit ça. Pardon. Tu es en train de garer le peuple de Dieu. Dieu est en colère. Dieu est en train de t'avertir plusieurs fois. Reviens à lui. Parce que Marcel Tounassi, l'argent ne te sauvera pas. Quand Dieu va te frapper, il peut te frapper dans une minute. Reviens à lui. Parce que Marcel Tounassi, tu ne t'es pas repenti. Mais maintenant, tu fais semblant de prêcher sur ta chaîne Jésus 100%. Tu continues à dire la vérité. Des fois, tu dis les bêtises. Tu dis le contraire de ce que la Bible dit. Tu fais semblant de prêcher la sanctification, bon, le sang de Jésus, j'ai 100% sur ta page. Mais tu ne t'es pas encore repenti. Tu es encore dans les choses mystiques, dans la cabale juive, dans la franc-maçonnerie. Repends-toi. Même quand tu prêches ça, les brebis de Jésus qui sont dans ton église, tes disciples, quand tu prêches même la vérité, quand ils vont écouter, ils ne vont pas changer. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'entre eux là-bas, ils sont aveuglés. Parce que vous marchez avec certains esprits, vous les contrôlez, vous les avez envoûtés. Même quand vous dites la vérité, ils ne vont jamais changer. Même des fois, ceux qui vous suivent sur les réseaux sociaux, les YouTube, s'ils n'ont pas un esprit puissant, vous ne les contrôlez pas, certains esprits avec qui vous travaillez. Faites semblant de dire la vérité. Car c'est ce que votre maître vous dit, est venu dire que vous venez prêcher. Mais vous n'êtes pas en train de tromper les enfants de Dieu. Dieu va commencer à ouvrir les yeux de ses enfants, ses brebis. Mais je vous dis, de vous repentir. Dieu est en colère contre vous. Pasteur Marcelo, arrête de dire de n'importe quoi aux enfants de Dieu. Arrête de garer le peuple de Dieu. Un aveugle ne conduit pas un aveugle. Si un aveugle conduit un aveugle, les deux tomberont dans un même trou. Vous savez que vous êtes déjà aveugle. Vous êtes en train de conduire le peuple de Dieu aussi dans l'aveuglement. Pour que vous tous, vous deux, vous tombez dans le même trou. Puis ce qui me fait mal, quand tu es en train de dire, toi tu crois au ministère de la femme prêche. Ils sont là en train de crier, amen, amen. Même quand on dit si le diable vous aime, vous allez crier amen. Moi je ne comprends pas. Quand ces gens ils disent de n'importe quoi, ne dites pas amen. Cherchez à connaître, à savoir si ce qu'ils disent c'est dans la Bible ou pas. Maintenant, je viens parler où? Au moment pasteur, repentez-vous. Dieu me dit, ne permet pas que la femme soit pasteur. Non, il ne permet pas. Repentez-vous. Repentez-vous. Maintenant, je vais parler au peuple de Dieu et à certaines personnes qui sortent pour prêcher, qui disent que moi j'ai telle église est mon. Il s'appelle tel nom, quoi, mon église, il y a Dieu là-bas, venez tout. J'ai un message pour le peuple de Dieu, pour ces gens aussi. Je vais lire un message, un verset biblique que Dieu m'a donné. C'est 1 Corinthiens 3, verset 16. Que dit la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 3, verset 16. Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, que l'Esprit de Dieu habite en vous? Dieu me dit de Dieu à son peuple et à ces gens, c'est parce qu'ils sortent que venez à moi, venez dans mon église, Jésus est là, tant, vous dit que, et pour vous dire au peuple de Dieu aussi que
Nous sommes le temple de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en nous. Pas dans les églises bâtiments. Mais il dit ça. Que Jésus, lui, il habite en nous. Pas dans les églises bâtiments. Puis il me dit que lui, il est omniprésent. Parce que Dieu me dit que lui, il est omniprésent. Et puis, il m'a dit que l'église avec E minuscule, c'est l'église bâtiment. Mais l'église avec E majuscule, c'est l'église, c'est nous. C'est cette église qu'il viendra chercher. Ce que Dieu me disait. L'église avec E majuscule, que c'est nous qu'il viendra chercher. Pas l'église bâtiment. Si vous prenez Acte 14, verset 27, ce que dit l'apôtre Paul. Que Dieu qui a fait le ciel et la terre n'habite pas dans les temples faits de main d'homme. Dieu est omniprésent. Dieu habite dans nos cœurs. Il est partout. Mais il y a certaines églises, bâtiments, où on prêche la vérité, où il y a les vrais hommes de Dieu. La présence de Dieu est là-bas quand on se réunit. Voilà le message que j'ai pour Pasteur Marcelo, les mamans pasteurs et le peuple de Dieu. Nous devons nous repentir. Et revenez à Dieu. Voilà le message que j'ai pour le pasteur Marcelo Tounassé, Joël Tatou et le reste des pasteurs qui encouragent les choses que Dieu déteste. Puis c'est le message que j'ai pour le peuple de Dieu aussi. Nous sommes le temple de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en nous, pas dans les églises bâtiments. Que Dieu vous bénisse. Soyez tous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je sais que ce message va arriver au moment pasteur au pasteur Marcel Tounassi. Les gens vont partager ça. Donc soyez tous bénis. Jésus revient bientôt. Maranatha. Soyez bénis. Jésus vous aime.